Eh ben, recoucou mes petits choux à la crème. C'est gentil de revenir voir papy pour ses streams. Ce soir, c'est un spécial insomnie. Parce que oui, il y a des soirs comme ça arrive. D'ailleurs, ça doit s'entendre à ma voix complètement cassée et raillée. Comme si je venais de sortir d'un concert de Patrick Bruel. J'avais promis d'essayer d'arriver à dire des trucs dans lesquels je ne crois pas en restant tout à fait sérieux, mais ça ne marchera pas ce soir. Alors ce soir, on va faire quoi? Eh ben, pour passer cette nuit qui ne veut pas être dormie, j'ai rien trouvé de mieux que de m'envoyer un petit coup de robot dans la tronche. Et donc, bizarre, j'ai l'audio de. J'ai l'audio de. Je surveille mon pseudo-enregistrement de stream en même temps, en fait. J'ai l'audio qui, ouais, qui est supposé marcher, j'en sais rien. On verra. Je vais peut-être faire un stream de 1 heure pour rien, comme d'habitude. De toute façon, il faut tout le temps un petit peu d'effet, sinon c'est pas drôle. Si le stream fonctionne, tant mieux. Ne me faites pas des signes dans le chat, je n'y suis pas. C'est un différé, hein, parce que comme ça, je vais pouvoir vous mettre quand même du gros frame dans la gueule, vu que. Ouais. Du gros frame dans la gueule, vu que le jeu a le bon goût de tourner en HD. Et ce, de manière tout à fait fréquentable. Of all the things I've seen on the battlefields of the frontier, the pilot is the true dominant force. Fast and agile. Graceful, yet devastating. Perceptive, resourceful, and relentless. A pilot sees the world differently. Sheer walls become flanking routes. Pilots fight differently. Experience in deception and maneuver. Even overwhelming odds shift in their favor. But what truly separates the pilot from all the grunts and machines of the battlefield is the bond between a pilot and a Titan. To a Titan, a pilot can only be stopped by overwhelming force or an equal. The frontier has been the only home I've ever known. For years, our lands have been destroyed by the IMC, forcefully taking our resources, polluting and destroying our planets, and killing us off if we try to resist. Despite recent victories at Demeter and beyond, we have a long way to go before the IMC is defeated. Now, I serve as a rifleman in the militia, fighting to free the frontier. I'm a long way from becoming a pilot. But when that day comes, I hope I can live up to the honor. La grosse intro à l'américaine. Donc Titanfall, on va voir ce que ça donne. Normalement, on est censé su démarrer Here avec we un mode go, tutoriel. Cooper. Oh hell. Ship must have power cycled the sim pods this last time. We'll have to recalibrate it. Et la bonne nouvelle, c'est que ça tourne bien. Bonjour lumière. Bonjour lumière numéro 2. All right, we're good to go. Let's see how much you remember from last time. Setting the neural link. Not quite the same as a Titan link, but it's similar. To learn new skills, we need to be in the right state of mind. Allons-y, mon lapin. Mark,
sure your jump kit is primed. Basic wall run here. Give it a try. Good. Now you're moving. Under here, stay low. Beautiful double jump. Follow the ghost. We've retaken over a quarter of frontier space in the Battle of Demeter. Militia's better organized now. More people join every day to fight the IMC. Ça va bien se passer. Oh, ça grave ce framerate. In combat, things never go as you expect. You must be ready to use any weapon you can find on the field. These are just a few of the weapons I've come across out there. Time to hit the ranch. Monsieur, monsieur, tu es où? Tu es allé chercher des hamburgers, c'est gentil. J'ai bon. Practice more if you want. Non. Oui. Tu cours vers toi. Alright, got a new gauntlet for you to run today. Part time is 2 minutes. Gotta do better than that to continue. Follow the ghost, you'll find your own path. Violets have to strike a balance in combat. Speed is paramount, but you must also beat your targets. The gauntlet is where we practice those skills until they're second nature. Mais comment je les ken? Mais comment je les ken? Bouya! Ok, c'est ça que je dis aussi. Eh ben, on va y aller, hein. Eh, t'as pas something special? I'm ready to see what's next. Yeah, fuck. Simulation. My partner BT is a Vanguard class. Homegrown militia technology. First type chassis we designed ourselves. One we did have to steal from the IMC. Go ahead, rifleman. Go on your first type.
I'm pulling you out. Powering down all non-essential systems. Cooper, ready up. Easy, Cole. You just left VR. He needs a minute to decompress. He'll be ready to go. Trust me. Yes, sir. Ça va être pas mal trouvé, ça. Heads up. They're killing us. We're trying to, anyway. Good session in there. You'll get the hang of it someday. We'll make a pilot out of you yet, Rifleman. But not today. No time. Blast of Mosa. Anderson. You son of a bitch. See you down there. We're gonna see a new planet today. Maybe even die on it. See you down there, Rifleman. Good luck. Get your ass out of the sim pod, Cooper. Meet at the dropship. Ça va chier. Ben non, bah vas-y. Ça va chier. Que du joli, hein. Que du très joli. Alors ce qui est bien quand même, c'est que Titanfall 2, ayant un prix un peu de la bouteille, et à des prix défiant toute concurrence. Et c'est vrai que si en plus d'un multi qui était déjà vachement bien dans le premier épisode, et j'imagine doit être terriblement bien dans le second, il y a une petite partie de solo là que je suis en train de manquer. Si ça a le bon goût d'être quand même d'une longueur un peu plus intéressante et développée qu'un tutoriel, ça pourrait quand même pas mal à surveiller. Et ça tourne très bien sur les configs d'il y a plus de 3 ans. C'est pas une vie. Courez pas les gars, j'ai de la buée dans le casque. Voilà, visée assistée, c'est pas très bon. Mets-toi pas devant. Assister. Bon, ça m'empêche pas de me manger des prunes, mais... Jamais il me laisse passer les grosses quoi. Eh
Hey les gars, pour parler là. Non, sérieux. Ça va mal se finir pour moi, je pense. Restons cachés. Bah, c'est maintenant que tu me dis, t'sais. Espèce d'iconard. Sécher lui, il va me sécher. Et j'ai plus de munitions, et j'ai plus d'abri, et je suis malheureux, et j'ai mal, et je suis. Monsieur, non, on prévient ça. Non. Voilà. Merci Charlie Bravo. Ouais, de la drogue qui rend très fort encore plus. C'est bad ça, c'est bad. Il se l'a pété un peu trop aussi pour que ça se passe bien. C'est ça le problème des héros dans les jeux, c'est que t'as le héros, toi, et puis t'as le héros concurrent qui lui forcément va connaître un destin pareil que le tien, mais un peu moins bien tout le temps à la fin. Sinon il n'y aurait aucun intérêt. T'as l'air vénère, toi. We have 18 hours. 18 hours until the ark is sealed and ready for delivery. Bah, je vais tous vous tuer. Mais attendez que je me rétablisse d'abord. Ah, t'approche pas, sinon je fais ma voix de petite fille apeurée. Ça marche super bien pour faire fuir les agresseurs, il paraît. Ceci dit, moi je n'ai pas un niveau de persuasion très très élevé, mais quand même, je vais me permettre de douter. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je pense que la faune locale est sympathique. Oh madame, je ne suis pas mort. Non, pas encore. Voilà, venez après avec ton mari. Dégage, je vais te mettre un coup dans ta gueule. Oh, je vais prendre un coup. Merci Jean-Pierre. Je t'appelle Jean-Pierre, toi. Parce que tu es toujours là au bon moment. Et puis un petit générique avant, en général, ça fait... Jean-Pierre, ne tombe pas sur la gueule. Mais c'est pas Jean-Pierre. On m'aurait menti.
Transfer authorization to new pilot. Oh, c'est trop beau ce que tu fais. Au lieu de me laisser à poil sur une planète hostile, tu me donnes ton robot. Mais vraiment, j'attendais pas ça d'un mourant. Tu vas pas mourir dans mes bras, non, hein, Ouais. Et les sextoys que t'avais dans ton plac... Hey, mec, tu m'as pas dit oui pour les sextoys. Hey, mais reviens, mec. Décidément, ce jeu est dramatique. J'ai obligé de faire une tombe en caillou, même pas une pelle pour creuser. Et un robot grandadé de 12 mètres qu'il va falloir maîtriser. Oui, j'ai décidé de parler en vert ce soir. Et contre tous, d'ailleurs. Ouh, l'humour du dimanche, que c'est relou. Vois le monde sous un nouveau jour avec le métacasque. Avec le métacasque, tu ne sentiras plus les odeurs nauséabondes de la jungle et de tous ces excréments d'animaux qu'on trouve de partout. Bobby, ça va? Je vais t'appeler Bobby, toi. Bobby! Bien. Ça, ouais, je vais en avoir besoin. Et non, pas long d'ailleurs. Ouais, faut que je te trouve des piles. Je m'en doutais bien. Comme par hasard, dans un endroit absolument accessible. En un saut. Tu m'attends, hein, tu déconnes pas, Jean-Pierre. Toi, tu vas te calmer direct. Aujourd'hui, je distribue du pruneau, faut éviter. Il est où ton pote? Putain, mais tu veux pas crever, toi. T'as un problème avec la mort. Ouais, jette-toi dans le vide. Non. Oh, le nombre de bastos qu'il leur fout dans le placard aux bestioles, c'est incroyable. Your mission. Yes, on my way, boss. Je peux me faire un sac à main avec les pots de... Non, bon, d'accord. Ah, mais elles avaient des armes sur elles, ces sales bestioles. Non, ça c'est Maurice. Maurice toujours à faire le con dans les jeux vidéo. Ouais, mais il y a des chances que je le rate, hein. Enfin, je préviens, moi. Ouais, non, mais j'ai pas la prétention d'être... Il y a mes quasi... Ah, ça fait un bruit de mal, ça. Il me plaisait pas, ce drone. Kiki! Eh oui, c'est moi qui tire dessus. Et puis du pruneau, j'ai pas fini de condamner. Amène ton pote. Allez, coucouche. Hey, mais ne serait-ce pas. Non, c'est un casque. Hey, t'as pas une batterie, toi? T'as pas une batterie? Mec, une batterie! Stop! Allez, fais pas ta pute! Je suis déception. Je suis malheur total. Mais. Pouh là là, c'est beau ça. Ces gens mériteraient une punition pour délit de map. Encore avec talent. C'est magnifique. Oh là là. Non mais moi j'en ai marre maintenant des jeux où... avant on pouvait critiquer, on pouvait dire... Hé, hey, ton triangle là, tu sais qu'il ressemble pas à un sapin. Et tes deux gros carrés là... Ah, non, c'est pas des yeux. Mais qu'est-ce que tu veux dire à ça maintenant?
sérieux. T'as des illustrations de Chris Foss en permanence souvenez, mais en live. T'es dedans. Fou, ils sont forts. Ils sont très forts. Moi, je crois que ça passe. J'aime pas trop les drones, je t'ai dit, il me semble. Mais bon, t'écoutes rien, toi. Va falloir faire du Yamakasi quand même un petit peu. Un petit secret caché là. Non, mais j'irai pas, j'ai pas le temps. Allez, on n'est pas là pour la déconne. Ça se saurait. Des bébêtes. Joli, joli. Ouais, non, mais ça, j'avais compris, chef. C'est que... Ouais. Oh là là. Miam, miam, miam. Pruneau, hors notre pruneau. Putain, les headshots, les gars, jamais. Les mecs, je leur pulvérise la tête. Il me prend 3 balles quand même. C'est pas très gentil. Enfin, moi, je fais pas comme ça quand je veux accueillir des amis. Con de drone. J'aime pas les drones. Les drones, ça m'énerve. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien de voler, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu comme chemin, ça? Oh là là, non, non. j'ai déjà dit quoi avec les histoires de trucs parois, vertige, tout ça. Putain, vous faites chier, les gars, moi je me casse. Y'a pas un endroit tout con où on peut aller Voilà. Non. Vas-y, dis-moi mon objectif pour me faire déprimer encore un coup. Elle est juste là, hein, cette batterie, c'est incroyable. Je sais pas faire de la varap. Non, mais il veut quoi, là? Ah, je suis invisible. Ah, je viens de jeter une... En fait, je teste tous les trucs, hein, comme ça, je suis sûr que j'ai tout testé, mais... Il y a un signe là, je pense qu'il y a un signe. C'était donc ça. Hop là, bouge pas. Bouge pas. Bouge cool là. Je l'ai senti celle-là, je l'ai senti les gars. Bravo, bien joué. Bon, très assisté cette visée quand même. Ah ouais, non mais tu fais des explosions pot de yaourt un peu trop facile à mon goût. Faudrait désactiver si j'étais fair play. Et vu que ça fait avancer très rapidement,
Va en profiter. Qu'est-ce que tu fais là-bas, toi? Alors. Bouge pas, je te finis là. Oui. Evie. C'est propre, hein. C'est très propre. Très joli. Manger celui-là. Ah non, faut pas avec moi, faut pas, c'est mal. C'était un poil prévisible aussi. Ah pardon, Maurice. Petit enfoiré. Ouais. Ok. Je me doutais que c'était un fusil de snipe, mais bon, je voulais être sûr et avoir surtout la bonne position pour pouvoir regarder. Ah, tu dois avoir des potes. Mais ils sont où tes potes? De toute façon, faut descendre. Hein. Un petit jump là, tu me l'accordes? Oui. Tu voudrais que je jump en face? Ouais, c'est pas mal. Et l'idée. Oh mon dieu, un Strauss. Bon, faut vraiment aller là-bas. Allez. Je pourrais aller inspecter cette... Je calme. Comment j'aurais trop dû garder ma grosse mitrailleuse? Parce que là, je vais faire du caca, je crois. Faut arrêter d'emmerder les gens. Surtout quand ils sont gentils comme moi et qui demandent rien. Juste un peu d'amour.
et d'affection. Alors, where is the blague? Calmez-vous, les gars. Ouais, c'est un pote, ça. Oh putain. J'ai pas un truc pour... Ah oui, non, mais c'est léger, ça. Je me suis pris un méga gadin. Alors, il va falloir dans leur des munitions, des... Il y en a là-bas. Est-ce que ça vaut bien le coup? Je verrai après. De toute façon, avec les cadavres qu'il y a là, je vais déjà avoir de quoi me refaire un stock potable. Hey! Salut! Ça boum? Bouge pas le drone, bouge pas le drone. Attends! Alors, il y avait du monde là-haut, il paraît. Dans ce petit coin-là. Non, sérieux? Accouche, 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 accouche! Pas exagérer, Jean-Pierre. Je suis pas ta mère. Qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin? Ah, plus le droit d'échanger. Moi, je suis pour la discussion et. Des bons coups de mitraillette dans la tronche. Petit secret. Allez. Oh, regardez-moi ça, ce secret qui n'était pas là. Je l'ai trouvé avant tout le monde. Oh, je dois ça à ma talentueuse expérience de grand joueur de la Toundra. Oui, en effet. Le double saut, c'est quand même vachement pratique pour pas se mouiller dans les pieds dans ce jeu. Bon, maintenant, on va voir si c'est pratique pour éviter de faire de la merde. Ça marche. Et tu joues comme un dieu? Putain, mais barre-toi, plus le drone. Je vais où là? Oh, je brûle, les gars, je brûle. Admettons.
forcément. Tu mets de la bonne volonté, il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui vient te foutre le bordel. Bof. Oui ? Une batterie ? Non, je veux pas ! C'est pas une comme ça que je voulais, moi, c'était une batterie acoustique, je veux dire, pour faire de la musique. Alors, tout est à refaire, c'est dramatique. Ah, je brûle. Salut, ça vous... Y'a rien dans les caisses. Bon, ok, y'a rien. Ok. Non, mais je vais m'y faire. Non, c'est tout noir, ça fait peur, je veux dire. Attention, dérapage. Hop, 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 petit saut. Drift. Hop. Ça gère, là. Dégage, saleté. Alors, il y a un petit côté, comment il s'appelait le jeu où on butait des animaux préhistoriques à répétition avec une mitrailleuse? Vieux jeu Nintendo, PC, très connu. Oh là là, j'ai perdu le nom. Turok, voilà, ça me rappelle Turok. C'est ça, j'ai le cake. Il y a un petit côté de Turok, quoi. Quoi, tu veux m'indiquer quelque chose? Je m'en fous, moi j'improvise, je suis l'agent tout risque. Le risque, c'est moi. Bon, si, vas-y, dis ta blague, c'est quoi? Oh, j'aurais dû être un peu plus modeste, mais de toute façon, faut aller dans l'eau, hein, les gars. Et voilà. Il semblerait donc que mon petit pitou ne soit pas étanche. C'est trop rigolo, ça. Attention, pas dans l'eau, tu vas fondre. Non, mais c'est quand même fabuleux. Le mec, il a armé à lui tout seul. C'est une unité de guerre. Mais il fond dans l'eau. Ami ou ennemi? Regarde ta tête. T'es une bonne tête. Ta tête du gagnant. Allez. T'es pas mouru là, non? Et voilà, dans les roustons. Et voilà. Ça, c'était quand même important à faire. J'arrive, Poussin, regarde. Je vais me réarmer déjà. Il est où? Hop, X. On va lui réinstaller ça dans le coffre. On va aller faire un petit tour de robot. Pas de raison. Adjusting focus. Are you alright, pilot? Yeah, fuck yeah. Yeah, who are you? I'm BT-7274, a Vanguard-class titan of the Militia SRS, Marauder Corps. You may call me BT. BT? George. Je peux pas t'appeler George. My systems are rebooting. Yeah. A third battery will accelerate the process. Moi, je sais. I will remain here. Ça veut dire que je vais aller chercher ta batterie pendant que tu bronzes, quoi, grosso merdo. Tu sers à quoi, là? Object off. Until I am mobile, I will assist you through your helmet radio when possible. 67 meters. But it's so far away, Flamenco. Et je suis un nain, je ne peux pas sauter là-bas, mon gars. Ah, peut-être pas. Eh oui. Evie.
Fais-moi voir la batterie où qu'elle est, mon ami. The battery is over here. But it is not going to be trop simple y aller. Ça sent le grand détour qui pue. Je veux passer là-bas, moi. Non, là-bas, tu ne passeras pas. What am I supposed to be doing again, BT? I require a third battery for full power. Without it, we may not survive through enemy territory. Ça passe, hein? Allez. Ouais, tu veux du pruneau, toi. Pilot, I advise against turning yourself over to the IMC. Voice pattern analysis indicates they are lying. You don't think I'm that stupid, BT? Undetermined. I will not know the full extent of your brain function until we establish a neural link. Ben, je vais avoir un problème, moi, avec cette batterie. Mais t'as vu qu'elle va bien me faire. Comment dire? C'est quoi le terme technique? Ah ouais, t'as tes conneries. Ok. Direct. On va essayer de jouer comme ça, ouais. C'est ce que j'avais prévu. Et là, je vais faire un jump, un, et puis après, je tombe dans le vide, quoi, de ce merdeau. Voilà. Ok, allez, on y va. Ah ouais, j'ai compris. T'as vu ça? Pas mal, hein? Comme dans la vraie vie. C'est quoi la gueule là? Oh, don't be a dick. Ok, faut enchaîner. À les alerter sans atteindre notre côté, c'est énorme. Coucou. Ah ouais, non mais dans la poire ça pique un peu. Oh, t'as point. Hein. Allez. Captain Lastimosa linked with me 973 days ago. C'est un peu chaté du cul, comme on dit ça. Ouais, non, j'ai pas le temps de te répondre. Là, j'étais en train de faire les magazines à la bourbouze. Un indice là, les gars? Ah, il y a un peu tant que ça, là. Ok. Ah, c'est le drame.
que c'est joli. On se croirait dans Prince of Persia. Ce côté rampe. Sur le 3, c'était le 4, je sais plus. Yeah, ok. J'ai essayé au film. Tu vois, ça passe au film. Faut juste éviter de se vautrer la gueule. Sinon, là, je vais avoir l'air très très malheureux. Alors, il y a du monde ici. Perds pas la boule. Ping for a snipe, bordel. Je veux bien un snipe, les gars. Je peux pas. Connasserie. Et je les ai bien excités là. C'était exactement ce que je voulais faire. Non, mais t'as voulu jouer aux oeufs, toi. Petit bâtard. Allez, on y va comme un cow-boy. C'était un peu foiré ma tyrolienne, je crois, là. Enfin, c'est peut-être qu'une impression. Ça marche bien, ça. Ouh, j'en veux un pour Noël. Ah, je vais le garder. Je suis amoureux, là. J'adore que mes explosent. Ça fait comme dans le fucking film. Comme dans District 9. Hein. C'est un petit peu le même genre d'arme que ça sous-entend, quoi. Voilà, t'es bien. Et là, comme on est bien. Je vais garder cette arme avec moi, elle me plaît beaucoup. Elle a un petit côté, un je ne sais quoi. Tout à fait charmeur et charmant. Il est où ce crétin de drone?
Ouais, moi non plus, je vois rien. Il m'attend tranquille ou par là. T'es sûr que tu vois rien? Où qu'il est? Eh ouais, non, mais faut pas. Ah, j'ai peut-être bientôt plus de cartouches là-dessus, ça c'est triste. Wow, ils sont pénibles les drones. Oh, mais quelle buse! C'est pas un demi-chiant, lui. Oh là là, comme je prends cher. Pas monter, ils ne veulent que tu. Putain, celui-là, tu l'as cherché. Je m'en sers jamais des grenades. Rigolo de cirque. Rigolo de cirque. C'est le bordel. Bon, en tout cas, c'est pas mal, mine de rien. Ce petit début de jeu en mode de FPS classique. Ça marche pas, les sauts n'importe comment. Moi, je vais aller voir si ça. J'ose plus le faire du coup. Je vais voir si ça rattrapait en fait le deuxième saut qu'on le fait à la dernière limite avant d'atterrir sur le sol. Ah, mais monsieur fond dans l'eau, j'avais oublié. Oh là là, mais je suis bête. Donc en fait, il peut se prendre les gadins qu'il veut, mais il faut surtout pas qu'il monte, qu'il touche l'eau, quoi. Ce garçon est beaucoup trop sensible pour être mis en contact avec la flotte. Monsieur Sucre, je vais l'appeler.
Oh, Mr. Sugar. What? C'est que tu remets cool? Ah, c'est quoi ce pétoir de merde que j'ai? Je cours, oui. Bah, tu lis dans mes pensées. Je peux entrer, je peux entrer. Dis, allez, allez, allez. Ouais. Allez. Ce moment qu'on attend tous. C'est cosy, j'ai Willy dedans. Oui, c'est le canard poussin. Ouh, que c'est excitant. Reviens. Well done, pilot. Our combat effectiveness rating has increased. Pilot, I detect more IMC salvage teams on the way. Our only chance of survival is to uphold our mission of rendezvousing with Major Anderson. Until then, you and I are on our own. Marking your HUD. You must move quickly. Et je fais ce que je peux, cette charrette donne tout ce qu'elle a dans le ventre. C'est les fameuses phrases de série B, voire Z. Bon, je ne sais pas à combien de temps du coup on en est sur ce stream, je pense qu'on n'est pas loin de l'ordre légal, voire même qu'on l'a passé. Tout s'annonce sous les meilleurs augures, alors je ne comprends pas trop pourquoi tant était mal aimé ce Titanfall 2. Peut-être son multi qui n'était pas en réponse avec toutes les attentes des joueurs. La partie solo, elle a l'air vraiment sympa. Pour l'instant, il n'y a rien de...
de révolutionnaire, mais c'est très très agréable à parcourir. Alors ce que je vous propose, c'est je vais poser ce stream là. Et puis on va se retrouver dans une séquence moins insomnie, comme ça je serai plus efficace. Parce que là, bon, j'ai pas fait de l'héroïque, mais il n'y avait rien d'extraordinaire. Et puis on regarde un petit peu plus loin ce qu'il y a dans le ventre de Titanfall 2. Parce que avec le petit prix qui se trimballe en ce moment, ce serait peut-être con de passer à côté et tout ça parce qu'un gros éditeur n'a pas été satisfait des ventes alors que le jeu est vachement bien. À tout bientôt, des bisous, encore des bisous, et des bisous, tiens.